Si tu étais venu certainement triste, if you had become instrumentist, si tu étais venu triste, oh, if you had come sad, tu repartiras avec la joie. You will go back with joy. Hallelujah. 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 Le thème de ce matin, this morning's theme, Dieu ne t'a pas oublié. God has not forgotten you. Hallelujah. Hallelujah. Dieu ne t'a pas oublié. God has not forgotten you. Amen. Amen. C'est un grand jour. It's a big day. Et c'est un jour de joie. And it's a day of joy. Chaque jour, each day, Dieu nous bénit. God blesses us. Le dimanche passé, last Sunday, nous avons prié ici. We prayed here. Et le vendredi d'avant, and the Friday before, Dieu avait donné un message. God had given a message. Hallelujah. Hallelujah. Amen. On acclame le Seigneur. Let's clap for the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Vous voyez, Dieu fait des surprises. You see how God makes surprises. Ça, c'est le grand Omar. This is the great Omar. Hallelujah. 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 Sois béni, mon frère. Be blessed, my brother. Vous voyez, you see, il y a des gens qui commencent doucement. Start softly. On était amis comme ça. We were friends like this. Et aujourd'hui, and today, Dieu a béni chacun d'une manière d'une God autre. God has blessed one and one, each one way or another. Et je vois mon ami Omar qui rentre. And I see my brother, my friend Omar coming in. Mais il ne rentre plus seul. But he no longer enters alone. Il rentre avec quelqu'un. He comes in with someone. Dieu soit béni. May God be blessed. Hallelujah. Hallelujah. Mon frère, tu vas dire ton nom. My brother, you're going to say your name. Hallelujah. Hallelujah. Votre nom, s'il vous plaît. Your name, please. Sylvain. Sylvain. Que tu sois béni. May you be blessed. Que Dieu soit béni. May God be blessed. Tu es venu à un jour de bénédiction. You came on a day of blessings. Et tu repartiras avec la bénédiction. And you will return with your blessings. Hallelujah. Hallelujah. Je disais quelque chose. I was saying something. Lorsque je priais il y a deux semaines when de cela, I was praying, it's been 2 weeks now, Dieu m'a montré God showed me quelque chose qu'on devait faire something that we're supposed to do dans cette église in this church, et on devait inviter tout le monde and we're supposed to invite everyone, et on devait prier and we're supposed to pray, et Dieu allait faire tomber les murs. God was going to make the walls fall. Et je dis, mais donc je vais trouver and I said that, oh, well, I'm going to look la date for the day. Il dit, mais ce vendredi, but this Friday, he il says, faut que tu essaies. You must try it. Et le vendredi, on a prié. And the Friday, we prayed. Le lendemain, and the following day, le samedi, that Saturday, y a une maman qui a participé. There's a mother that participated. Elle m'a appelé. And she called me. Elle dit, papa, she says, Father, le mur est tombé. That wall has fallen. Je cherchais quelque chose I was depuis des for années. Something, it's been years. Le vendredi où on devait the prier, Friday, when we were supposed to pray, je n'avais même pas la possibilité de venir. I didn't have the possibility to come. J'ai dit à quelqu'un de m'offrir de me déposer. I asked for someone to drop me off. Ce jour-là, that day, on a prié. We prayed. Je suis reparti. And I went back. Le samedi à 7h. The Saturday at quelque 7, chose que je cherchais depuis. Something that was on m'a dit for de forever, venir chercher. They told me to come and get it. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Et le dimanche, and the Sunday, j'ai demandé à l'évangéliste Michel de prier, to Michel to pray, de prêcher, and to preach. Et il a dit, faut couper les liens. And he said, let's break the bonds. Et Dieu me disait, and God was telling me, quand il va finir, when he's going to finish, il faut continuer et you faire must tomber continue les liens. To make the walls fall. J'ai dit, mais tu as and dit I said, but you said qu'on devait faire ça. That we were supposed to do this. Il dit, mais ceux qui sont là, but those who are here, he les says, murs doivent tomber. The walls must fall. Comme ça, tu vas so voir that you can see que ce que je t'ai dit là, what I told you c'est vrai. Is true. Comme ça, quand tu invites so that les when gens, you invite the people, tu es rassuré. You are reassured. Tu n'as pas vu quelque chose. You didn't see something. Comment tu peux inviter how les gens? How can you invite people? On a combattu. We combated. On a tourné ici. And we turned here. Les murs sont tombés. And the walls fell. Et ce jour-là, and that day, the testimonies on place happened. Le lundi, and Monday, mardi, Tuesday, mon petit frère qui est là m'appelle. My little brother here calls me. Je dis son nom parce qu'il est présent. And I say his name because he's here. Il dit, il y a une situation. He says there's a situation que je craignais. That I was fearing.
Mais quand je rentrais à la maison, but when I went into the house, je vois sur ma porte on my door, une enveloppe. An envelope. Je regarde dedans. And I look inside. Ce que j'attendais, and what I was waiting for, c'était dans l'enveloppe. Was in the envelope. Je me suis agenouillé. I got on my knees. J'ai dit, Seigneur, and I said, Lord, merci. Thank you. 2 semaines avant, 2 weeks before, en plein highway, and on the middle of the highway, ma voiture prend la fumée. My car took up smoke. On prend ma femme et les enfants, les envoie à l'église. We take my wife and children and they bring them to church. There was a brother qui m'a trouvé sur la route, who found me on the road. Il m'envoie, and he brings me à l'église, to church. Je dis, moi, and I said, I. Je vais pour prier. I'm coming to pray. Il y a une soeur qui m'a appelé. And there's a sister that called. J'ai appris ta voiture, and she says, oh, I learned that your car broke down. Ça, c'est quoi, ça? What is this? J'ai dit, non. I said, no. Dieu voulait que je change God de wanted voiture. Me to change cars. Hallelujah. Hallelujah. J'ai dit, ma voiture n'est pas à part. My car is not broken down. Tellement j'aimais la voiture, là. So much I loved elle that car. Était tellement petite. It was so small. Le jour je suis allé au the mécanicien. When I went to the mechanic, he told me that it was finished. I look at the car, and my tears started coming down. As much as my tears were falling, because I loved that car so much, something was telling me I was going to leave this car definitively. And I come back to my young brother. On voit qu'il dit il y a des voitures quelque part. And he says, oh, there's some cars around here. C'est 1500. This is 1,500. 2000. 2,000. Là, il n'y a pas fait de cadeau dedans. And that way, there's no car note. Il dit, moi, je ne suis pas dans ça. I said, I'm not in that. I said, I'm not in that. Pour ça, là, c'est déjà fini. All of that is finished. I'm going to go to the dealer. And I'm going to tell him what I want. And what I want. Tombé, the wall is falling. Je vais sortir avec. To leave with it. Yes, sir. Je vais chez le dealer. I go to the dealership. C'est une fois même. Not even $1. Not even a dollar. Je n'avais même pas. I didn't even have it. Yes, Lord. That's Jesus right there. On arrive chez le dealer. Get to the dealership. Je suis assis devant le and monsieur. I'm sitting in front of the man. Il dit, je suis venu chercher une voiture. I came to get a car. Amen. Je suis venu chercher I came to get a car. Il dit, donne-moi ton nom. He says, give me your name. Social. Your social. Il ressort. He comes out. Il dit, tu vois. Well, you see. Ton crédit est poor. Your credit is poor. Your credit is poor. Et puis, on dirait qu'il y avait affaire des vannes aussi dessus. It seems like there's something about a van. Où tu as sponsorisé quelqu'un. When you sponsor somebody. Et puis, ils n'ont pas payé. They didn't pay. Bon, je vais aller well, là-bas. Let me go and see. Je dis à mon frère. I said to my brother. Il ne sait pas avec qui je suis venu. He doesn't know with whom I've arrived here. Lui là. This man. Il sait pas avec qui he doesn't je suis know rentré ici. With whom I've walked in this place with. Moi, je suis venu chercher une voiture. I came to get a car. Le mur est tombé. The wall has fallen. Et je dis à Jésus, and I said to Jesus, quand on a prié, when we prayed, tu dis la renommée va partir. He says that renounce que quand Josué est rentré, and that ils ont brûlé tous leurs ennemis. When they burned all the enemies. Ils ont pris ce qui appartient and when they à Dieu, took what belonged to God, moi je suis rentré ici. I went inside there. Je suis venu prendre, and I came to get je vais prendre, what I'm going to pour get aller chez les enfants de to Dieu, go to the children of God to pray for people. Il ressort. And he comes out. Il dit, quelle voiture tu veux? He says, which car do you want? Quand il me montre, il dit, non, prends ça. When he says, oh, let's take this. Je dis, je veux pas ça. I said, no, I don't want that. Il dit, ça. And what about this? Il dit, je veux pas ça. No, I don't want that. À un moment donné, at a given time, il dit, ça. He says, what about this? Je dis, je veux pas ça. I said, I don't want that. Il a commencé à s'énerver. And he started getting upset. Mon frère dit, mais pourquoi tu es énervé? Why are you getting upset? Il dit, mais son crédit est poor. Well, his credit is poor. Et c'est lui qui veut la grande voiture. And he wants the nice, nice cars. Yes, sir. Il dit, sir. I said, sir. Moi, me, ce que tu m'as montré là. What you showed me. Je dis, je veux pas ça. I said, I don't want that. Moi, je veux. I want une voiture. A car. Que je vais prendre. That I will take. Amen. Amen. Son manager est là-bas. His manager's over there. Il attendait parler. And was hearing all the talking. Il dit, viens. He says, come.
Mais elle a 4x4 blanche Jeep qui est là. I said, well, what about that 4x4 Jeep over there? Le vendeur lui dit, mais ça c'est cher, c'est élevé. Well, that's pricey. Si on prend, if we take it, si on multiplie, and multiply, il ne pourra pas, ça ne peut pas. He won't be able to. Il dit, mais si c'est haut, he says, well, if it's high, descend le prix, just et puis donne-lui la voiture. And give him the car. Hallelujah. Hallelujah. Et puis donne-lui la voiture. He says, give him the car. Il revient, and he comes back. Il dit, bon, la voiture, là, well, the car there était jusqu'à 17 000, was almost 17,000. We're going to bring it down to 9,500. I said, tu n'as rien vu encore. You haven't seen anything yet. Tu n'as rien vu. You have not seen a thing. Le mur est tombé. That wall has fallen. Il retourne, il va dedans. He goes back and goes inside. Il dit, bon, on va voir maintenant. Well, let's see now. Si la banque va accepter. If the bank is going to accept. Parce que non seulement toi tu veux voiture. Not only do you want a car. Mais tu dis, il ne faut pas se voir arriver à 300. But you said the payment has to be 300. Ça dit, tu es pauvre, c'est que toi tu veux. So you're just. Et puis ton crédit est pour. Defining what you want your credit is for. Lui-même, il ne sait pas que c'est lui-même qui est pour. I say, he doesn't know that he's the one who's for. Parce que moi, je suis venu avec celui qui a good credit. I came with the one who has the good credit. Toi, tu vois, moi, mon crédit physique. You see my physical credit. Mais moi je vois mon crédit spirituel. I see my spiritual credit. Et je vois bon crédit. And I see great credit. Je vais partir avec la voiture. And I'm gonna go with this car. Quand il s'est levé, j'ai dit Seigneur. And when he got up, I said, Lord. Tu as dit le mur est tombé. You said the wall has fallen. Ici là. Here. Moi je vais aller chez les gens pour prier. I want to go to people's houses to pray. You told me to go to hospitals. Je vais aller prier. I want to go pray. Et puis la voiture que je veux, and the car that I il want, faut que ce soit une 4x4. And it must be a 4x4. Et puis 7 places. With 7 que seats. Je puisse aller prendre des gens qui veulent venir à l'église. Bring donc people who want to come to church. Je vais partir à la voiture. So I'm going to go with this car. Le monsieur sort. The man comes out. Edmond. Edmond. Say yes. I said yes. And congratulations. He says congratulations. You are approved. You've been approved. Tu veux partir avec la voiture maintenant? You want to go with the car now? J'ai rien dans ma poche. And I looked in my pockets. J'ai dit non demain. I said no tomorrow. Amen. Amen. J'ai dit demain. I said tomorrow. Je vais venir remplir et puis demain. I'll fill out the paperwork and come back tomorrow. I'll give you the check. Amen. Amen. Je passe le. And I started making phone calls. When I left, because I only had 1,000. And I have one of my daughters. She says, what, 500? So it can be about 1,500? Come and get the money here. I said, the wall has fallen. Amen. I go and I je retourne devant le monsieur. I come in front of the man. Je dépose à la banque. And voici le chèque. I deposit the check. Il dit bon, et assurance. He says, what about the insurance? J'ai dit bon, le gars d'assurance est demain il travaille. I say, well, the insurance man, he works tomorrow. Donc, garde, so keep this. Lavez la voiture. Wash the car. Je viens demain pour I'll be back tomorrow to pick up my car. Amen. Amen. Je réunis l'argent avec ma femme. And I gather the money with my wife. Et puis, and j'avais la voiture de mon petit frère. And I was with donc my c'était juste avec l'assurance. And so it was just alors, il faut que je paye l'essence aussi. But je remplis la voiture. Si je prends l'assurance, la voiture, comment je vais partir? If I take the money from the insurance, how am I going to leave the car without gas? So look at what God is going to do. Et je roule quelque chose, je dis bon, je vais vacuum la voiture de mon jeune frère. I figure, okay, well, let me go vacuum the car, my young brother's car. Je rentre. And I go in. Dans le coin de gaz. And I go to the gas station. Je fais la monnaie. And I get change. Je mets le vacuum en marche. And I turn on the vacuum. Je descends. And I get down. Je vacuum l'autre côté. I start vacuum the other side. Je reviens vers la porte. And come back towards the door. Je dis ça, c'est pas ça. And I say, what is this? $40. $40. Ils ont déposé ça. Et dit, prends ça, tu vas payer gas. Il a dit, mais qui a venu mettre ça là? Who put this here? Donc voilà, tu es comme ça. So this is how you are? Donc tu es partout so avec nous. You are everywhere with us. Tu as déposé ça là ici. You put $40 here? Amen. J'ai pris ceci. I took the money. J'ai dit, mettez gaz.
$20 gas in there. Si elle est même à quel prix? I even went to, si elle est to, prendre du pain omelette to take bread and omelets. Et je te pose. And I drop it off. Je me dis, tu vas prendre ta voiture? And j'ai dit, lave ça bien. He says, are you going to get the car? I said, wash it well. Je le tout. And I come back. Yes, Lord. Le lendemain. And the following day. Edmund. Ça dit, la voiture, elle brûle là-bas. It's like the, on va t'envoyer une voiture à la maison. We, can we bring the car to your house? Moi, je suis au travail. Regardez la voiture là-bas. C'est 19h, je vais venir prendre moi. And I will come back around 7 p.m. to pick up the car. J'accompagne quelqu'un. And I'm accompanying somebody. Parce qu'il y a quelqu'un qui voulait prendre une voiture. Because there was someone who also wanted to get a car. On arrive là-bas. And we get there. Les gens disent, the people say, tu as three pay stubs? You have three pay stubs? Est-ce que tu as W-2? Do you have a W-2? Bank statement? Do you have bank statements? Ils t'ont pas demandé ça. He says, well, wait, they didn't ask you all this. I said, well, we're not the same thing. You don't go to church. Moi, je suis pour Dieu. I am for God. Quand moi, je viens, so when I come, Dieu même est derrière. God is in front of me. On demande pas tout ça, he closes people's mouths and they don't ask all these things. But yet, you don't know God. So you got to bring the pay stuff. Each person brings whoever is behind them. Amen. Amen. Merci Seigneur. I was invited to a spiritual event in Silver Spring. When I was going yesterday with my elder, the Christian music is blasting in the car. It's raining, but you can hear all the music from the car. And when we part, we get off. They say, look at the pastor coming from Christ. And we're dressed, the car is white. La voiture est blanche, on a bien en double. Amen. Le Seigneur est merveilleux. The Lord is marvelous. En fait, j'ai dit ça. And I said this. Je n'ai même pas encore prêché. And I haven't even mais si le mur est tombé, but if the wall is falling, il a dit fais ça seulement pour que toi says, tu vois. Do this alone so you can see. Comme ça quand vous priez, so that when you pour pray, tout le monde va tomber. And for all et others, le mur the wall est tombé will fall. Pour and chacun the wall de vous ce matin. For each of you this morning. Ce qui fatigue les what enfants tires de Dieu, the children of God, c'est la peur. Is the fear. Alors que la peur yet the fear fait disparaître la foi. Makes disappear the faith. Amen. 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 Nous sommes des enfants de Dieu. We are children of God. Nous sommes des enfants de Dieu. We are children of God. Alléluia. Alléluia. Regardez le nombre de personnes. Look at the people, the number of people. À un moment, ce n'était pas comme ça. At one time, it wasn't like this. Mais Dieu, but God, quand je me couche, when I lay down, il dit, c'est moi-même, je vais envoyer les gens. He says, I myself will bring people. Je vais les bénir. And I will bless them. Je vais agir. And I will ça va pas attendre des jours. And it won't et take days. Verront. And people will see. Amen. 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 Ce matin, this morning, on va aller pas à pas dans Jean 5. We're going to go step by step in John. À partir de Jean 5. John 5. Et je vais aller rapidement. I will go fast. Et je sais qu'on va comprendre quelque chose. And I know we will understand something. Et chacun va prendre quelque chose. And someone, each of us will take something. Alléluia. Alléluia. Au fur et à mesure qu'on va lire, as we read, on va aller dans la prédication. We're going to enter the predication. Alléluia. Alléluia. Jean 5. John 5. À partir de 1. Starting verse 1. Il dit, après cela, after this, il eut fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Jesus went to Jerusalem for a religious festival. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Near the sheep gate in Jerusalem, there was a pool with five porches in Hebrew. It is called Bethesda. Et qui a cinq portes. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux et des paralytiques. A large crowd of sick people were lying in the porches, the blind, the lame, the paralyzed. Amen. Amen. On va s'arrêter là. We're going to stop here.
La Bible dit après cela. The Bible says after this. Après cela. After this. Il y a une fête à Jérusalem. He went to Jerusalem. There was a festival at Jerusalem. Mais ce après cela. But this after this. C'est-à-dire il venait de faire des miracles quelque part d'autre. And he just finished doing miracles. Il avait fait des miracles de vin. He had done miracles with il avait guéri l'enfant du centenier. And killed the child of et the centenier. Après cela, and then it says after il allait maintenant à Jérusalem. He was going now to Jerusalem. Mon frère, my brother, ma soeur, my sister, ce matin, this morning, je vais te dire quelque I'm chose. Going to tell you something. Ton temps your time n'est pas le temps de ton ami. Is not the time of your friends. Le temps de ta bénédiction your time for your blessings n'est pas le temps de ton ami. Is different from your friends. Tu peux venir ici avec un frère. You've come here for brother. Tu peux venir aux États-Unis avec you un frère. You come to the U.S. with a brother. Tu peux vivre la même chose avec quelqu'un. You live the same tu way peux with faire someone. Tout ce que tu avais avant. And you can lose everything alors que that you celui had before. Que tu connaissais avec but les the choses, one that you knew had things and he's in joy. Mais la Bible dit ce matin Bible says this que après cela, that after this ton temps your time c'est ton temps. Is your time. Le temps que tu as prévu pour faire des miracles dans ta vie, c'est ton temps. In your life, et ton temps your ne ressemble pas au temps de quelqu'un. And your time does not ton temps ne ressemble pas au temps de ton propre petit frère, même père, même mère. Ton temps ne ressemble pas au temps de ton ami. Le temps que Dieu a prévu pour toi, c'est ton the temps. The time that God has planned for you is your time alone. Mais le problème, but the problem c'est que une fois t'es quelque part, is that you must be someplace normalement où tu dois être, normally where you should pour be, que ton temps puisse arriver, so that your time can arrive. Et le temps où tu dois être, the time where you pour should que be, ce temps-là arrive, so that this time n'est pas forcément où toi tu penses, not n'est pas forcément what you où think, tu veux, or where you mais c'est où tu dois être, where you should pour be, que Dieu te donne, so that God gives ce qu'il doit te donner, what he must give to you. Amen to that. Ce n'est pas une histoire d'église de 2000 personnes. About a church ce n'est pas une histoire d'église de 60,000 personnes. 60,000 mais c'est où tu dois être. That you pour must que si tu es connecté avec l'Esprit de Dieu, pour que ton temps arrive. So that your time arrives. Il dit après cela. He says after this. Il allait à Jérusalem. He went to Jerusalem. Et à Jérusalem. And he said Jerusalem. Les gens étaient en train de fêter. And people were celebrating. Regardez un peu l'image. Look a little les gens étaient en train de danser. People are dancing. Les gens étaient en train de courir partout. And running ils étaient dans la joie. And they were mais joy. La Bible dit que au moment où les gens étaient dans la joie, au moment où les gens étaient en train de danser, au moment où les gens couraient, il y a des gens qui étaient malades en bas d'une porte, qui ne pouvaient même pas marcher, qui ne pouvaient pas voir, qui étaient paralytiques. Mais ceux qui étaient en train de fêter ne pensaient pas à ces personnes-là. Ils allaient les déposer là-bas. They were going and dropping these people. Dans l'espoir que quelqu'un vienne les guérir. That someone comes. Et là ils étaient en train de fêter. Ton problème ne va pas regarder quelqu'un. Ton problème ne va pas intéresser quelqu'un. La seule chose que les gens vont préférer, au contraire, c'est de te voir dans des problèmes pour que les gens pensent que c'est eux qui sont mieux. Mais Dieu dit ce matin qu'il y a un temps pour chacun. There's a time for everyone. C'est pas parce que tu n'as pas ce que tu cherches ce matin que tu vas penser que tu es dans des problèmes. Mais parce que ton temps n'est pas arrivé. It's just that your time has not arrived yet. Amen. Amen. Les gens peuvent avoir des enfants. People can have children. Mais tu vas avoir des enfants. But you will have children too. Les gens peuvent avoir des maris. People can have husbands. Mais Dieu garde un bon mari qui va te comprendre. But God's going to give you the right husband who's going to understand. Les gens peuvent avoir la richesse. And people can have mais riches. Mais Dieu préfère que tu partes lentement. God pour prefer, que quand tu es béni, you go le fait de te le connaître, so that que personne ne puisse encore te toucher, and that pour que tu ne retournes pas à la pauvreté. No one else can touch you so that you can return into poverty. Ils étaient couchés. And they were lying down. Et la Bible déclare. The Bible declares. Il y avait des aveugles. That there were blind. Les aveugles, c'est qui? The blind were whom? Quelqu'un qui ne voit pas. That means someone who can't see. Il attend. And he's waiting. Mais il ne voit pas. But he can't see. Aujourd'hui, beaucoup de gens. Today, many people sont encore aveugles. Are still blind. Parce qu'ils ne voient pas leur bénédiction. Because they don't see their blessings. Ils ne sont pas sûrs même s'ils vont se marier. They're not even sure if they're going to get married. Ils ne sont pas sûrs s'ils vont avoir un enfant. Or they're going to have a child. Parce qu'ils ne voient pas. Because they don't see. Alors que spirituellement, yet spiritually, Dieu a déjà ça pour toi. God already has provided this for you. Il dit, il y a les gens he says there are people qui sont boiteux. Who are limping. Les boiteux, ils marchent.
And the people lend the mais wealth, pas correctement. But not necessarily correctly. Tu as l'argent aujourd'hui. And you have money today. Demain, il n'y en a plus. Tomorrow, it's gone. Quand tu commences à avoir 200 dollars, when you start having y a problème de 3000 dollars. There's a problem. Quand ça rentre ici, when it comes ça sort à l'autre côté. It goes out the tu es boiteux dans tes finances. And so you tu es boiteux dans ton sourire. Tu ris aujourd'hui, tu es content. La semaine qui arrive, c'est les difficultés. Today you're smiling, mais Dieu te dit ce matin, God is que tu vas rire définitivement. That you are going to laugh and smile definitively. Et il dit, il y a les paralytiques. And he said, it says there are paralytics. Ça dit, ils peuvent pas marcher. People who are paralyzed and cannot walk. Tout est bloqué. Everything is blocked. Même maison, ils ont des problèmes. Voiture, ils ne peuvent pas payer. Even the house or the car. Rien ne marche. Tout ce qu'ils ont, ils ont entrepris, ils se gâtent. Everything that they have is. Ils pensent qu'ils n'ont plus d'espoir. And they feel they don't ils sont bloqués. And they're blocked. Ils ne voient pas l'espoir devant. They don't see. Ils voient rien devant. They don't see anything. Ils se disent, est-ce que je suis aussi un enfant de Dieu? Est-ce qu'un jour je peux avoir quelque chose? Can I one day mais Dieu te dit ce matin, il ne t'a pas envoyé ici pour t'abandonner. Il ne t'a pas envoyé ici pour te faire souffrir. Il ne t'a pas envoyé ici pour que ce que tu veux l'obtenir, tu ne puisses pas l'obtenir. Il t'a envoyé ici pour qu'il te fasse monter. Oh, la hauteur que tu dois être. Mais par rapport à l'escalier, il faut que tu ailles étape par étape. Mais avec Jésus-Christ, pour que tu sois protégé. With Jesus Christ, you can be protected. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ils étaient malades. And so they were sick. Et quand on saute, and when we skip, à partir de 5, starting verse 5, on dit là, it says there, se trouvait un homme malade, was a sick person, depuis 38 ans, 38 years old. Jésus l'ayant vu couché, Jesus saw him lying there. Et sachant qu'il était malade depuis longtemps, man had been sick for such a long time, lui pose la question, asked him, veux-tu être guéri? Do you want to get well? La Bible dit, the Bible says, que parmi tous ces malades, that amongst all these sick, il y a un qui était plus malade. There was one that was mostly sick. Et non seulement il était plus malade, not only was he mostly mais sick, il a duré là. But he was there for 38 years lying down on this mat. Alors que pour être guéri, yet to be healed, il faut tomber dans l'eau. You must fall in parce water. Parce qu'il y a un ange qui venait quelques rares fois. Angel coming by, quand il a vu la piscine. And when he et shakes moment, the oui, pool, il a vu la piscine, when, tu tombes dedans. When he shakes the pool and you fall in, you're healed. Mais lui, il peut pas but tomber. He can't fall in the water. Donc depuis 38 so ans, it's been 38 years. Il peut pas tomber. He can't fall in the water. Et Jésus, and Jesus, il a vu, saw him. Il savait qu'il était là longtemps. He knew he was there for a et long time. Est-ce que tu veux and guérir? Ask him, do you want to get well? Ce matin, this morning, Dieu connaît tes problèmes. God knows your problems. La Bible dit que the Bible Dieu, says il a that vu, when God saw il savait déjà qu'il était là il y a longtemps. He already knew he was the way he saw him. He already knew he was there a long time. Parfois, tu penses que Dieu ne fait pas. Sometimes you think that God qu'il peut pas t'aider. He can't help you. Qu'il n'est pas là pour t'aider. Or that he's not there to help you. Dieu peut te rendre malade. God can make you sick. Pour te protéger. To protect you. Et puis après te guérir. And then heal you. Amen. Dieu peut te t'appauvrir. God can make you poor. Et puis te protéger. And protect you. Et quand tu es, il voit que tu le connais bien. And when he sees that you know him well, il te bénit. He blesses you. Parce que l'argent, because money, attire, attracts les démons, the demons. La richesse, riches, attire des ennemis, attracts enemies. Quand Dieu sait que tu n'es pas God prêt, knows that you're not ready yet, il préfère te donner le peu. He prefers to give you just a small amount. De telle sorte que quand il voit que tu es assis, so that when he knows and sees that you're sitting well, alors il te donne ce qu'il doit te donner. He gives you what you're supposed to have. Un enfant qui est petit, a child that's small, comme le Miché, la fille de Kadi là, as Kadi's daughter or Miché, elle peut jamais lui donner un couteau. She could never give her a knife. Elle va se gorger tout de suite. Because she will hurt herself quickly. Mais quand elle grandira demain, but when she'll get older tomorrow,
Elle va lui laisser prendre le couteau. She'll allow her to take a knife. Parce qu'elle-même elle saura. Because she herself will know. Que le couteau là, il peut couper oignon dans la cuisine. That the knife can cut pour que l'oignon là soit dans sauce, ça va être doux. So that it will be tasty in a dish. Donc le fait d'être grand. So the fact of being more. Elle saura l'utilité du couteau. She will know the use of the knife. Amen. Amen. Il y a un clochard. There is a homeless. Il a tellement duré d'enfer de clochard. And he's been a homeless so long. Il allait dans une poubelle. He went into trash. Il a ramassé un sac que les gens étaient venus cacher. And picked up a bag that someone had hidden. Combien de millions de dollars? How many millions of dollars were in there? Il a montré à son ami clochard. He showed it to his homeless friend. Il a pris un hôtel. And then took a hotel. Et puis il a pris hôtel pour son ami clochard. As well as for his friend. Dans la plus grande des belles chambres. In one of the nicest rooms in the hotel. Mais il rentre dans la chambre le soir pour dormir. And he goes into the hotel room at night. Il se couche sur la moquette. And he goes to sleep on the carpet. Le lit est là. The bed is there. Clochard est couché sur la moquette. But he's the homeless man is sleeping on the carpet. Là. Yet he paid for the hotel room. Et il connaît pas. Because he doesn't know. Tout ce qu'il sait, il a fait dépenser l'argent sur moi pour une bonne place. He's spending the money in a nice place. Dieu sait. God knows. À quel moment? At what time? De bénir. To bless you. La Bible dit qu'il a reconnu le malade. That he recognized il savait ce qu'il a. And he et il avait en même temps la solution de ton problème. Dieu connaît la solution de ton problème. Parce qu'il est lui-même la solution. Chaque jour quand tu te promènes, quand tu te réveilles, tu peux mourir le matin, mais c'est lui qui te réveille encore. He's the one that wakes you up. And accompanies you. Et il a posé la question. And he asked the question. Il dit, est-ce que tu veux guérir? Do you want to get well? Ce matin, Dieu te pose la question. This morning, the Lord is asking you the same question. Tu veux être riche? Do you want to be rich? Tu veux être heureux? Do you want to be happy? Tu veux être un homme d'affaires? Do you want to be a businessman? Tu veux être une femme d'affaires? Or a businesswoman? Tu veux être guéri? Do you want to be healed? Et le paralytique répond. And the paralytic says, il répond pas à la question. He doesn't answer the question. Il dit depuis quand je vais tomber dans l'eau, les gens tombent avant moi. He says, ever since I want to fall in the water, others fall before me. Dès que je veux me lever, les gens tombent avant moi. When I get up, people fall ahead of me. C'est pour ça que je suis là depuis 38 that ans. That is why I'm here 38 years. Jésus n'a plus écouté ce qu'il disait. Jesus didn't listen to the rest of what he said. Et c'est la même chose. And it's the same thing. Mon frère, my brother, est-ce que dimanche demain tu vas venir à l'église? Are you going to come to church next Sunday? C'est-à-dire ma voiture, il y a une soeur qui m'a écrit ce matin. My car, there's a sister that wrote to me this morning. Pastor, je ne pourrai pas venir aujourd'hui. Pastor, I won't be able to be here today. Comme ils ont coupé le courant dans nos quartiers tôt. Because they cut the donc, power in my neighborhood. Je ne pourrai pas mon habit. I won't be able donc, to press my iron my clothing, so I won't be able to dans come dans tous les placards, à so même temps que courant a coupé, tous ces habits sont froissés en même temps. As they cut the power in the neighborhood, all her clothing got wrinkled. But si tu as porté habit froissé, même puis tu es venu à l'église. So if you wore your wrinkled clothes and came to church. Il y a quelqu'un qui va dire ton habit est froissé, tu ne dois pas rentrer. Is someone going to say, oh, your clothing is wrinkled, you can't come into church? Et la sœur raconte, oh non, j'ai dormi tard. Aujourd'hui, là, quand je me réveille, 10 heures passées. J'ai dit que si j'arrive, je vais faire tard. Et elle pense que c'est moi qui est blague. Et l'ennemi aussi, chaque jour, il lui donne des trucs, des mensonges pour qu'elle dise. Elle est contente quand elle me ment. Elle pense qu'elle est contente. Moi aussi, je suis content, mais tu sais que tu me mens. Mais tout ce n'est pas pour moi. So, also, she'll say that, oh, she'll be parce qu'elle est venue à l'église, ce n'est pas that's pour moi. She's thinking that she's trying, it's because of me, the pastor, but no.